Konnichiwa les Kibishi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle visite d'île sur Animal Crossing New Horizon. Et aujourd'hui, on est sur une île qui s'appelle Ixora. Et franchement, c'est une île qui a été partagée par Sybille. Et j'ai trop hâte de la visiter. Je pense que c'est une île tropicale asiatique, me semble-t-il. Et franchement, c'est trop cool. Je vois déjà d'ici que la carte a l'air magnifique. Et du coup, c'est parti. On va la découvrir ensemble. Ah là là là, ça a l'air trop beau. Franchement, ça a l'air trop beau. Bon, la carte, j'adore. Elle est plutôt simple. Et sur l'arrière de la carte, c'est plutôt vide. Mais en vrai, je pense que ça va être cool. Et les maisons des habitants comme ça qui ont été tous alignés, franchement, j'ai hâte de découvrir ça. J'aime bien comment ont été travaillées l'eau sur l'île, les petites rivières comme ça qui sont juste sur le devant de l'île et qui se jettent dans les estuaires comme ça devant. J'aime beaucoup. Bref, du coup, vous avez son code onirique. N'hésitez surtout pas à retourner visiter cette île. Et nous sommes chez Gubsy. Je sais pas si ça se dit comme ça. Bref, les habitants Estrella. Oh, ça fait grave plaisir. On la voit pas souvent sur les îles. En tout cas, franchement, elle est trop belle. Ensuite, on a Roberta, il y a Cachou, il y a Enzo, il y a Placide, il y a Vladimir, Nonos. Nonos, c'est pareil, on ne voit pas trop souvent. Ketchup, là, cette beauté. Kali et Pauline, la jolie Pauline. Ah là là, et Kali que j'aime trop de ouf. Bref, bon, j'aime pas mal les habitants. Et surtout, et ben c'est parti. Oh, il y a plein de petits cadeaux ici. Ah là là, et ben c'est parti. Go, tout récupérer. Moi, franchement, les petits accessoires nourriture, c'est pas mal. Un lampion, un thé vert, un ballon de baudruche rouge, un ballon de baudruche jaune, un café aux perles. Bref, je préfère les petits vêtements. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour avoir un petit look dans le thème de l'île, je trouve que c'est ultra canon. Alors, voyons voir un petit peu. Qu'est-ce qu'on a de sympa? On a une échelle aussi. Alors, bref, ouvrir. Des chaussures bateau. Ok. Un pantalon renforcé. Mais je pense qu'on est déjà un peu dans le thème, hein. Une veste de sport à carreaux. Ouais, bof. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une canne à pêche. Ouais. Ok. Une jupe de matelot. Pourquoi pas. Une jupe de matelot, pourquoi pas. Hein. Avec les chaussures bateau. Ouais, c'est très estival, quoi. Hein. Et vous savez quoi? On teste cette tenue. Oh là là, c'est mimi. C'est très mimi porté. Ouais, c'est pas mal, hein. Portée. Ok, soit on les a en mode marron, ou soit on les a en mode noir. Ah, je sais pas trop, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah mince, j'ai remis les tongs, n'importe quoi. Eh ben, c'était celle-ci qu'il fallait que je mette, tout simplement. Ok, bon, vous savez quoi? On part sur un style comme ça, un peu brun. C'est mimi, c'est super mignon. Bref, on est sur une île, je le rappelle, qui est un peu asiatique. Donc, c'est un petit peu les tenues d'écolières asiatiques. Hein. Bref, bon, cette entrée a l'air très jolie. Soit on part sur ce côté. Waouh! Oh là là, moi j'adore les faux lacs. Hein. Les faux lacs, je suis trop fan. Hein. Oh, vraiment magnifique. Ah là là. Oh, ce motif est très beau. Je l'ai jamais utilisé. Il est magnifique ce motif là. Mmh. Avec les nénuphars et tout. Franchement, trop joli. Ok. Dodo Airline. Waouh. J'avais pas vu le bâtiment. Oh. Ouah, c'est sublime. Ah là 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 là. Oh, avec le belvédère Asumaya juste devant, une dinguerie. Oh, une dinguerie. Attendez, on se fait une vue parce que c'est vraiment magnifique. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais très beau, très réussi. Oh, on se croirait vraiment
Ah ouais, on se croirait sur une petite île asiatique, mais regardez en plus avec le look. Oh, avec le look de bébé Mev, mais c'est juste parfait. Il n'y a pas le salutation un peu en mode asiatique? Si, normalement on a le salutation un petit peu en mode asiatique. Est-ce que ça serait pas... Non, salut? Non, c'est pas du tout celui-là, hein. Absolument pas. Attendez, je cherche. Peut-être en mode excuse. Ah là là! Bon, elle a la petite moue comme ça, mais en vrai, c'est plutôt ça. Est-ce que vous êtes... Je pense que vous êtes d'accord avec moi, oui. Ouais. Oh ah là là, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est ultra, ultra canon. Attendez, je me refais la mimique ici parce que franchement, beaucoup trop cute. Mais vraiment trop mimi. On se croirait dans un animé. Ah oui! On se croirait dans un animé, c'est beaucoup trop mignon. Bon, bref, j'arrête de faire des bêtises. Je vais juste aller voir ici devant s'il y en a quelque chose d'intéressant sur la plage. Mais franchement, cette petite île de vacances. Waouh! Wow, le motif. Oh, le motif de bambou, il est incroyable. Et ce petit coin aussi. Oh, trop joli. Il n'y a personne ici. Donc, on va pas pouvoir vérifier tout de suite si c'est décoré. Je pense que j'ai envie d'aller par là. Ouais, j'ai envie d'aller par là. Bon, hyper naturel, hein. Oh, très, très, très joli. Les petites routes avec les vélos comme ça. Mais vraiment super réussi. Et ici, il y a quelqu'un. On va aller vérifier tout de suite si les maisons des habitants sont décorées. C'est parti. Salut Roberta. Ah là là, ça n'a pas été décoré. Bon, c'est pas grave. Allez, salut. Par contre, je pense que vous serez tous d'accord pour dire que Roberta a été extrêmement bien choisie pour évidemment le thème de l'île. Et je pense que tous les habitants ont été choisis en fonction de leur maison. Ouais, regardez-moi ça. Regardez ça. Ah là là, ouais, les maisons. Bon, je pense qu'on va pas se faire. Par contre, on se visitera évidemment la maison principale. J'espère qu'elle a été décorée. Ici, on arrive, on revient sur la place. En tout cas, c'est super joli. C'est très, 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 très beau. Et bon, tant pis, c'est pas très grave que les maisons des habitants ne soient pas décorées. C'est vrai que je suis très friande. J'aime bien que les maisons des habitants soient décorées. Le camping, juste ici, en tout cas, l'île est super jolie. Ça donne envie de partir en Asie, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi qui suis asiatique, ça me manque. Ah oh là là, ça manque. Ça fait longtemps, ça fait 6 ans. 6 ans, plus que ça même. J'ai des bêtises de la dernière année où je suis pas... Oh là là, ça rend trop bien. Oh là, mais cet item, en vrai, il est sous-coté, j'ai l'impression. On n'en parle pas assez. Mais cet item est incroyable. Il est beaucoup utilisé sur plein d'îles. Et franchement, regardez-moi ça, ça t'a allé. Et juste dingue, ça rend super bien. Et pourtant, c'est hyper simple. C'est très 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 simple. Ah là là, ça pareil, c'est une idée à piquer direct. Ah ouais, j'adore, vraiment j'adore. Les petites algues wakame qui se trouvent sur les plages en bord de plage, là, juste ici, franchement, c'est canon. La plage, elle était minimalistement décorée. Je sais pas si ça se dit, mais j'ai inventé un nouveau truc. Minimalistement. Ouais, je pense pas que ça se dise. Mais en tout cas, je trouve que c'est mignon à dire. Donc, je le dis, minimalistement décoré. Et franchement, c'est trop cute. Et regardez-moi ça, petite végétation, temple, un petit peu asiatique et tout. On a les petites pagodes et tout ça un petit peu partout. Ah là là, les volcans personnalisés en vert, comme ça rend super bien. Ça fait comme des espèces de petites montagnes très très vertes. C'est super joli. Et alors, ça tranche bien. Il y a pas mal de rouge, orange qui ont été mis pour les fleurs et les buissons et tout ça, et ça rend très très bien. Ça fait très asiatique évidemment, hein, des couleurs un petit peu chaudes comme ça. On va reprendre juste par ici et rattraper. Je pense qu'on peut pas. Ah si, 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 on peut monter juste par là. Et ben ça tombe bien, c'est parti. Les petits lampions un petit peu partout, franchement, trop cute. Je pense que là ça a été condamné, on va pas pouvoir traverser, mais en tout cas, les oh, très très bonne utilisation des paravents bambou. Ah ouais! Ah là là, ça rend trop, trop bien. Oh, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, ça rend super bien. J'adore. Le petit vélo comme ça posé un petit peu par ici. Ah ouais. Oh! Wow. Oh my god. Oh! Ok, je comprends mieux le plan. Mais c'est une dinguerie. Waouh! Oh! C'est magnifique. Waouh, c'est trop, trop beau. Attendez, on se fait une vue parce que franchement... Oh, oh là 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 là. Dinguerie totale, hein.
Oh my god, c'est magnifique. Oh là là, regardez le fond. Oh, le fond est trop joli avec... Oh, il y a un arc-en-ciel en plus, regardez-moi ça, trop beau. Oh, il y a deux arc-en-ciel double. Ah oh là là, double arc-en-ciel. Oh, est-ce que vous pensez qu'il faut faire un vœu? Allez, vous savez quoi, je tente, je fais un vœu. Ça y est, j'ai fait un vœu, j'espère que vous aussi, vous avez fait un vœu. Magnifique, c'est très, très... Très très beau. Oh, waouh, avec les montagnes vertes comme ça, là, les volcans verts. Oh, waouh, les bordures. La transition, les bordures ont été super bien travaillées. Oh, simplement, mais magnifique. Ah, oh, là là, c'est sublime. Oh, waouh, j'ai tellement, mais tellement envie de partir faire un voyage en Asie là. Oh, j'ai une de mes meilleures amies qui a envie de fêter ses 40 ans et qui m'a proposé, qui m'a dit ouais, ça serait bien qu'on parte au Cambodge. Oh, j'ai juste envie de dire, mais je lui ai dit, hein, mais oui! Oh, mais carrément, mais c'est trop trop beau quoi. Waouh! Oh, encore merci à Sybille de nous avoir partagé. Il y a un deuxième code onirique qu'on visitera aussi très prochainement. Salut Vladimir, comment ça va? Est-ce que vous pensez si on monte, il y a des trucs intéressants à voir? Je pense pas. Regardez, il y a des items partout. Ça a été condamné, mais franchement, c'est super joli. C'est très 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 joli. Hein. Waouh, cet endroit est évidemment mon endroit préféré de l'île. N'hésitez surtout pas. Comme d'habitude, si vous avez un endroit que vous avez vraiment adoré, préféré sur cette visite, n'hésitez pas, eh bien, à nous faire savoir dans les commentaires. La plage de Rounard. Waouh. Eh ben, tu peux te prendre un petit bain de yuzu sur la plage de Rounard. Incroyable. Si Rounard il arrive, ben, il n'aura pas de place pour mettre son... Ouais, il aura pas de place pour amarrer son bateau. Mais bon, bref, c'est pas très grave. Mais attendez, c'est immense. Oh, wow, c'est tellement joli. C'est hyper joli. J'essaie de faire des vues, mais j'y arrive pas parce que franchement, les Joy-Con, ils buguent de ouf. C'est magnifique. Oh, ah ouais, je suis très, 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 très fan de cette décoration. On a la créatrice de l'île. Oh, je peux pas passer. On va faire le tour. On va essayer de la voir. On est... Waouh! Ah oui! Oh! Waouh, trop beau! Attendez, on se fait un truc là. Ah mais grave! Oh! Regardez ça! Oh! C'est trop joli de ouf! Attendez, il faut se faire... Vous savez qu'il faut ce qu'on fasse? Il faut qu'on fasse le yoga. Attendez, est-ce que vous pensez que ça va le faire? Il me semble que c'est le yoga qu'il faut faire avec ça. Ah, c'est pas dans le sens là! Du coup, ça veut dire que c'est dans ce sens-là qu'il faut qu'on se mette pour que ça rentre bien. Attends, on se met en mode photo. Attention. Tac. Et là, c'est parti, yoga. Ah non. Ah, mais c'est de dos alors? Alors, est-ce que c'est de dos qu'il faut qu'on se mette? Non, mais c'est comme ça alors. Je suis en PLS total là. On essaie de trouver le meilleur placement pour faire cette pose magnifique. Je pense que là, je suis bien là. Attention. Ouais, mais ça va pas parce que je suis beaucoup trop près. Il faut que je sois là. Et c'est du millimètre hein, tout ça. Hein. Après, on va aller voir la créatrice, évidemment. Oh, waouh, mais en tout cas, c'est trop. Canon, je pense que vous êtes tous d'accord. Oh là là, ça va être canon, regardez-moi ça. On va se faire une pause sympa là. Yes, c'est pile, presque pile poil. Oh ah là là, c'est canon, hein. Je pense. Oh, j'ai changé les filtres. Attendez. Oh, il y a Estrella. Coucou toi! Oh, tu viendrais pas te poser avec nous là, avec moi? Oh. Ah, de dos comme ça, c'est pas mal! Oh, c'est canon, c'est ultra canon. Ce coin en tout cas est trop, trop, trop bien fait. Bref, bon, j'arrête mes petites bêtises et on continue cette visite. Oh, ça donne sur la plage ici. Ah non, c'est. Oh là là, ça a été. Ah non, bah, pas du tout! Oh. Oh là là, c'est trop beau ce petit coin là. Attendez, vous savez quoi? Moi, je veux absolument qu'on fasse tout le tour pour aller voir. Ah, on peut pas. Oh, on peut pas, mais ce coin est juste magnifique. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment visiter tout ce petit coin là et on se dirigera tout doucement vers l'autre côté, vers le fond de l'île pour évidemment aller croiser. Ah, on peut pas. Ah oui, on a une échelle.
Bah oui, évidemment, il y a les tortues ici, là, waouh. J'arrête pas de dire waouh, mais c'est très 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 joli. On va utiliser l'échelle ici, non? Ah bah oui, parce que j'ai rien d'autre pour monter. Donc on va prendre l'échelle. Peut-être que c'est tout simplement comme ça qu'on fait le tour. En tout cas, franchement, c'est waouh, avec les petits canards blancs comme ça. Oh! Ah ouais, c'est super joli. Oh, regardez-moi cette végétation. Oh là là, en bas, ça a l'air trop beau aussi. Oh bah regardez, on a une échelle juste ici. Et ben ça tombe bien, on va redescendre. Oh, salut Placide. Bah oui, les habitants ont vraiment été choisis par rapport à leur maison d'extérieur. Waouh. Oh, mais c'est trop beau. Regardez dans les hauts. Waouh, regardez au-dessus. Avec les façades. C'est super beau. Et toutes les maisons de ce côté-là. Donc on arrive évidemment sur la place. Ok. Et toutes les maisons de ce côté sont personnalisées exactement de la même couleur. Je ne sais pas si elles ont été personnalisées ou les maisons des habitants ont été choisies en fonction. Je pense que. Je sais pas. J'ai un doute. J'ai pas l'impression que. Je sais pas. Peut-être qu'elle a tout simplement pas eu le temps comment dire, de faire les intérieurs de maison, de décorer les intérieurs de maison, et qu'elle a quand même le DLC et qu'elle a personnalisé elle-même. Je sais pas. En tout cas, bon, l'île est magnifique. Hein. L'île est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. J'avais envie juste de voir jusqu'ici un petit potager. Non, vraiment, l'île est très. Ah ouais, l'île est vraiment très, très belle. On a les mises doigts de fée, regardez, qui sont juste ici. J'ai cru voir Kali. Si j'ai pas halluciné. Ah, salut Kali! Oh my god, mais quelle beauté! Oh, il est trop beau, lui. Vraiment, il est trop beau. Il me manque! Oh, il me manque trop. Bref, les mythes de Watfé qui se trouvent juste ici. Oh, la tente de Thibou. Ah oh là là, ça c'est toujours une superbe idée. Hein. En vrai, franchement, oh, c'est vrai. Hein, quand tu rushes pas le musée, aucun intérêt d'avoir le musée, autant avoir la tente. C'est tellement plus stylé. Oh, ah ouais, franchement, c'est beaucoup plus stylé. Et par contre, la boutique Nook, on l'a pas encore croisée. Ouais, peut-être qu'elle est de l'autre côté de la plage. J'ai cru voir quelque chose. Les petits motifs rondins là, avec les canards. C'est juste sublime, très 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 joli. Ici on arrive sur une autre plage. Ok, on a la maison. Ah bah voilà, regardez. C'est bien ce qui me semblait, j'avais cru voir. Ah là là, trop joli. Le devant de la boutique Nook est magnifique avec les petits rondins. Oh, l'effet visuel du motif des rondins est sublime. Le petit fragment de géroïde juste ici. Et on a la maison. Est-ce que la maison, vous pensez qu'elle est décorée? Eh ben vous savez quoi? C'est parti. Bon, je pense que la maison n'a pas été décorée. Ouais, vu la première pièce, c'est sûr que non. Bon, j'ai été voir une pièce quand même pour voir, mais non, ça n'a pas été décoré. Mais bon, bref, on s'en fiche, c'est pas très très grave. Le ponton, il est juste simplement sublime. Ouais, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais très simplement décoré, mais magnifique. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter tranquillement au niveau de plus haut de l'île. Ici, on a déjà visité. Ok, on a ici des poissons, des noix de coco. C'est sympa d'avoir secoué les arbres pour avoir que les noix de coco comme ça soient tombées sur la plage. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, j'aime énormément le rendu. Ici, je pense qu'à mon avis, ouais, non, ici, on peut pas du tout passer. On peut pas visiter. Juste au-dessus, là, je sais pas du tout si on a déjà vu ou pas. Je pense que oui, hein. Oui, on a déjà vu ici. En tout cas, c'est juste su. Blim, mais vraiment c'est trop trop beau. On arrive tout en haut de l'île. Waouh, ici j'adore avec les cromlechs et tout ça, les pierres, l'arche et tout ça de poser. Super joli. Waouh. Oh. Non mais cette île est magnifique. Hein. Cette île est vraiment vraiment très 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 belle. N'hésitez pas à me dire vous aussi hein, dans les commentaires, est-ce que vous aimez ce type de décoration? Est-ce que vous aimez les îles sur le thème un petit peu asiatique comme ça? En tout cas là moi il y a tout ce qui ça regroupe deux choses que j'adore, tropicale et asiatique. Donc bref, ok, Estrella juste ici et du coup ben, on a totalement perdu. On a totalement perdu la créatrice de l'île, on va pas pouvoir lui parler. Bon, c'est pas très très grave, mais en vrai ici. On a. Ah oui, ici on a déjà. En fait, on pouvait ressortir par là. Ah non, j'hallucine pas. Ok. Ici, c'est la deuxième partie qu'on n'avait pas visitée. Ok. Mais par contre, par où on est arrivé? Attendez, par où je suis arrivée? Par l'arrière ici. Ah, j'aurais tout simplement dû passer par là, en fait. D'accord. J'avais pas capté. Bon. Des fois, hein, quand on fait des visites d'île, franchement, on voit pas tout. En tout cas, comment dire, les modèles de poissons,
Je trouve qu'il rentre plutôt bien. Moi qui n'aimais pas trop forcément. Parce que vous voyez, avec le socle et tout ça, des modèles de poissons et tout, je trouvais pas ça terrible en vrai. Et puis finalement, en fait, c'est pas mal. C'est pas mal à force de voir beaucoup d'îles décorées comme ça. Et bien finalement, j'aime assez. Ouais, j'aime plutôt bien. Bref, bon. Ben, je pense qu'à mon avis, on a fait le tour. Ouais, hein, je pense qu'on a fait le tour complet de l'île. Bon, les maisons des habitants et la maison principale pas décorée, mais c'est pas. Oh waouh, regarde le petit canard là et tout devant le. Oh, franchement, juste ici quand t'arrives, je trouve que c'est sublime. Mais genre vraiment, c'est trop beau. Et d'ailleurs, vous savez quoi? On va s'arrêter sur cette vue juste magnifique que je trouve trop belle. Parce que voilà, avec les petits canards, le fond et tout, et ben vous savez quoi? J'aime vraiment trop. Et d'ailleurs, on va se faire une petite vue. Ah ouais, quand on baisse la cam comme ça, c'est pas mal. Par contre, comme ça, ouais, c'est quand même moyen. On voit beaucoup moins. Non, mais comme ça, c'est. Bon, j'ai trop baissé. Comme ça, c'est pas trop mal. Bon, j'espère qu'encore cette visite d'île vous a plu. En tout cas, eh ben, je suis très contente. Encore un grand merci à Sybille de nous avoir partagé ce code. J'ai trop hâte de la rentrée pour qu'elle rentre de ses vacances. Et pour qu'on puisse reprendre les lives sur Twitch avec Sybille. Ah là là, n'hésitez pas d'ailleurs à suivre Sybille sur Twitch. Sybille, gna gna gna, pour tous ceux qui ne connaissent pas. Bref, je vous fais des énormes bisous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. À mettre le like, évidemment, pour la créatrice de cette île qui est juste sublime. Je vous mettrai son Instagram, évidemment, dans la barre d'infos de cette vidéo. Et je vous refais encore des énormes bisous. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo sur un live. Des bisous les kibichis!